connaissez tout ce jeu, Dragon Ball Xenoverse 2. J'avais préparé cette vidéo depuis des temps, j'insiste trop. Cette vidéo devait sortir avant-hier. Non, je l'ai pas sorti. Majin, Saiyan, Torian, Namek, Torian. Un jour, je crée un nouveau personnage, mais il sera d'une autre race. Il sera de la race Saiyan. Allô ? Hein ? Tu fais une vidéo, là ? Oui, mais attends, sa taille. Peu importe. Mais pourquoi tu veux ça sur vidéo, là ? Faut que je trouve des beaux cheveux pour lui. Voilà. Oh, GG, j'aime bien ces jeux. Les yeux. On va lui mettre des yeux sérieux là. Pupille. Le nez. Le nez, j'aime bien. Peu importe les oreilles. Couleur de sa peau. La peau, peu importe, les gars. Les cheveux. Ça, par contre, c'est pas peu importe. L'intérieur, ils ont presque tous... Avec les yeux rouges, ça va bien, là. Non, je ne veux pas le faire. Je vais zoomer pour vous montrer. Non, 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 ça sert à rien de zoomer. Regardez avec les cheveux rouges comment ça fait classe. Avec les cheveux rouges. Les affaires. T-shirt vert. Couleur du bas. On va lui faire une couleur un petit peu Gogeta, quoi. Les mains. Okay. Comme ça. C'est mon propre. C'est mon propre personnage. Dites dans les commentaires si le perso que j'ai créé ça va. Nom et voix. La voix. J'aime bien cette voix. On va pas l'appeler patrouilleur, bien sûr. Bayo. Et si on crée. Et le Saiyan, on l'appellera Saiyan Bayo. Proximité, distance. Je suis équilibré. Ouais. Hey. Alors, le let's play de Dragon Ball Xenoverse 2 pour commencer. Ok, il y a une petite cinématique. Je vais arrêter de parler parce que c'est une cinématique, les gars.
Moi je trouve l'histoire, ah, elle est trop classe, la cinématique, mais moi je trouve l'histoire de Bardock un petit peu triste. Il voit que Freezer les a trahis, il veut sauver sa planète, mais à la fin il se rend compte qu'il n'est pas assez puissant. C'est triste. Il a tout fait pour Freezer, Freezer les trahit, il essaie de sauver sa planète, mais il se rend compte qu'il n'est pas assez puissant pour la sauver, c'est triste. C'est ce qui est triste dans cette histoire. Purificateur du mal sous toutes ses formes et défenseur de la justice, le Grand Saman est ici. Ah, Sangwan. Et à ton tour. Sangwan, il faut vraiment que je fasse ça avec toi. Qui est Sangwan? Je suis le Grand Saman. Ce n'est pas le moment d'hésiter. Nous devons défendre la planète. Alors continue. D'accord, je vais le faire. Purificateur du mal sur toutes ses formes et défenseur de la justice, le Grand Saman est ici. C'était fabuleux. Tu es parfaite, tout simplement parfaite. Tu as réussi. Hein? Tu en es sûr? Peut-être tout à fait franche. C'était très... Hein? Valorisant. Génial. Maintenant, il faut qu'on mette au point une pose de duo parfaite. Compris. Génial. Tu as tout compris. Tu as été choisi pour cette mission délicate. Allez, file. Pourquoi? Chargement, je déteste les chargements. C'est cool de voir mon perso dans la cinématique. C'est cool. J'espère que ce gameplay vous aime. Je pense que je ferai... Dès que j'aurai fini le mode histoire, je ferai des petites quêtes et tout, des fois. Avec vous et des raids. Je pense, hein, j'ai dit je pense. C'est pas obligé. En 862. Ah, Toki Toki. Moi j'ai regardé les vidéos du Xenoverse 1, mais pas du Xenoverse 2 pour pas être spoil. Toki Toki. Ça a changé Toki Toki en tout cas. La seule chose que c'est que maintenant ça s'appelle Cotton City. Classe, mon perso est en train de bouger comme ça, au calme. Bon.
mais instant petit gênant. Je vais faire une photo. Enfin, je peux jouer. On a vu la cinématique de Bardock, je l'ai beaucoup aimé en tout cas. Bienvenue. Tu es notre choix pour cette mission délicate. Félicitations. Allez, courage, le casting du temps est venu t'encourager, pas vrai? Tu pourrais faire preuve de gentillesse, non? Ah, tu cherches le verre? Quand il a su que tu avais réussi l'épreuve, il est parti précipitamment. Je devrais aller à sa recherche. Je suis convaincu qu'il était enchanté de savoir que tu avais réussi. Ah, donc mon cliché, c'est de trouver le vieillard, là. Taoshin. Le vieux Taoshin, quoi. Chargement. Mais c'est chaud, chargement. Allez. Le vieillard est parti par là, il est probablement allé dans le bâtiment au loin bleu clair. Quelqu'un doit forcément avoir des enfants. Des enfants. Ah là là. Tu devrais enquêter auprès des gens. Dépêche-toi, il n'y a pas de temps à perdre. Oh, j'allais oublier, tu ne dois pas voler. Je t'ai vu déplacer dans les airs et il voudrait mieux que je ne t'y reprenne pas. Voler librement dans la ville peut s'avérer dangereux. Tu dois obtenir un permis pour voler dans Cotton City. Utilise le joystick pour vous déplacer, le joystick de gauche ou le joystick de droite pour ajuster la caméra, appuie sur A pour parler à un policier ou utiliser une installation de commande appelée véhicule. Appelez le véhicule Y, sauter B, parler, examiner, confirmer A, voir les infos X, déplacer la caméra, joystick de droite, changer de cible. La croix directionnelle ici ou ici. Déplacement, joystick de gauche. Journal du chat. Sprint amélioré ZL. Carte ZR, geste R. Appuie sur ça, pour afficher le menu du hall. Tu pourras y modifier ton équipement, tes objets, tes techniques, ainsi que les paramètres du jeu. Voir les informations des autres joueurs de Cotton City. Vu que je viens de commencer, j'ai pas beaucoup de techniques, les gars. Ok. Ah non, on peut pas sprinter, on peut sprinter avec un véhicule, c'est ça? Bon, ben j'étais bloqué, donc j'ai une pause. Apparemment, je dois parler à ce gars-là. Après, je dois parler à Shikori. Konnichiwa. Oh, c'est pas rapide ce truc. Kumel. Ok. Ah, tu veux savoir où est passé le vieux Kenshin? Non, j'ai pas envie de dire ça. C'est mieux. Maintenant,
Ah ça. Capsule de puissance. Je prends. Décalchine. Tu es en retard, où étais-tu pendant tout ce temps? Quoi, tu dis que c'est de ma faute? Prends. T'es concentré sur ton jeu? Prends un peu la responsabilité de tes échecs. Je suis une crapule. Bref, écoute-moi bien, tu vas recevoir une mission très particulière. Hein? C'est un honneur immense. Tu seras la deuxième personne à l'avoir fait. Hein? La l'art du combat. Je vais faire l'art 1. Bon. Ouais, j'ai vécu. Je vais faire l'art du combat 1. On se retrouvera en mode histoire. J'ai pas envie de vous faire perdre du temps, donc je fais l'art du combat, après on se retrouve. Et on s'est retrouvé là où j'étais. J'ai appris des trucs incroyables à l'art de combat. Partir pour la police du temps. Oui, j'avais pas fini ma vidéo, j'ai juste mis pause. Je suis allé, j'ai fait l'art de combat tout seul parce que j'avais pas envie de vous faire perdre du temps en plus, les gars. J'ai appris des trucs comme les attaques ultimes, les attaques spéciales. Je sais qu'on peut acheter des attaques, mais j'ai pas d'attaque là. Dans le prochain épisode, j'achèterai des attaques. Ok. Je parle plus parce qu'il y a une cinématique, les gars. Aïe aïe aïe, ça a mal fini là. Ah, il sent quelque chose sur ton sur son détecteur. Youhou. C'est quoi cette entrée? Elle est pétée cette entrée. Ils remettent la musique au calme. Je vais démonter Rajit. En plus, c'est la première mission. Laissez passer la pause du temps. Baradjit, PV du jour, condition de jet, PV du jour à 0. Double du moche. Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? Viens ici, Rajit. Il y a quoi comme technique? Déjà, posez du coup. Ah, ça fait pas beaucoup de dégâts. Ah, j'ai une tour. Technique spéciale. Non, technique ultime. Ça m'a mis enchaîné. Pim. Bon, c'était sûr, en fait, je n'étais pas très... Il n'était pas très nul. Je parle plus. Ma concours à port.
Si tu veux savoir où je suis, ben je suis plus là. Hein. Je crois que je me suis cassé. Hein. Bye, Picole. On vous a vu t'aller chez ce bien. On vous a vu. Ils font quoi ici en fait? Dans la cinématique, j'ai vu t'aller chez ce mais ils font quoi en fait? C'est quoi leur but hein? Ils arrivent comme ça. Hein? Salut, c'est Alice Slug, on est venu pour vous gâcher votre vie. C'est du bon boulot, les techniques sont loin d'être mauvaises, à une expression près. La passe. Moi, si tu me donnes 4 minutes, tu m'as goûté. Maman. Tu lui as dit bonjour deux fois. Si vous voulez savoir, j'ai déjà choisi mon héros. Je m'en fous de l'héros. Hein. Il peut être moche ou beau, je m'en fous. Ok. On peut dire que c'est la fin de la vidéo. Plus.